Good morning, allez, dernière chose aujourd'hui, le Nishmat, Avram Mordechai, Ben Israq, Vefani, Dvorah, Bat Esther, ainsi que l'Irfouat, Amram, Ben Masoudi, Betor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions aujourd'hui Maserhat Yevamot, Perek, Zain, Mishnah, Dalet, Aoubar, Vayavam, Vayroussin, Vacheresh, Uven Tesha, Shanim, Vayom Echad, Poslin, Veloma, Achelin, Safek, Shuben Tesha, Shanim, Vayom Echad, Safek, Sheeno, Safek, Evishte, Sarot, Safek, Loevi, נפל הבית עליו ועל בת אחיו, ואין ידוע איזה מת ראשון צרתה חולצת ולא מתייבמת. Deux sujets dans notre Mishnah. Tout d'abord, on continue le sujet développé maintenant depuis quelques Mishnahs en arrière, à savoir, est-ce que, dans quelle mesure, une femme peut consommer de la trauma. Je m'explique, il y a deux cas de figure, de manière générale, une femme Israël qui se marie avec un Kohen, elle devient la propriété du Kohen et a le droit de manger la Trouma. Quand elle divorcera, elle ne pourra plus manger la Trouma. Sauf si elle a un bébé, un enfant Kohen, que l'enfant Kohen, tant qu'il n'y a pas d'autres frères, comme on le verra plus tard, tant qu'elle a juste des enfants Kohen, alors elle peut aussi manger de la Trouma parce que les enfants aussi peuvent permettre à leur mère de manger. Même si le père n'est plus là parce qu'il a divorcé sa femme ou parce que le père est mort, les enfants pourront consommer la Trouma. La mère pourra consommer la Trouma par le kohar, la force, le biais de ses enfants. D'accord? Ça, c'est pour une fille d'Israël qui s'est mariée avec un Kohen. Inversement, une fille de Kohen a le droit de manger de la trauma. Dès qu'elle se marie, elle devient la propriété d'un Israël. Si elle s'est mariée avec un Israël, elle ne pourra plus manger de la trauma. Si elle divorce, elle pourra remanger de la trauma, sauf si il lui reste des enfants qui sont maintenant Israël, et donc elle ne pourra plus manger de la trauma. Tout ça, c'est du psukim. On les a déjà rapportés partiellement, on en verra encore plus tard. Le but de notre Mishnah de la première partie est d'expliquer dans quel lien, quelle relation maritale, si je peux dire, plus ou moins, va permettre ou interdire de manger la trauma selon la situation. En fait, on va évoquer toutes sortes de relations maritales qui ne sont pas bonnes, pas bien, pas comme il faut, pas complètes. Et du coup, ça va être posel velo ma'achil. Posel, ça veut dire que si elle était fille de Cohen, elle ne pourra plus manger la trauma malgré tout. Aval lo ma'achil, elle ne pourra malgré tout pas consommer, si c'est une bat Israël qui s'est mariée avec un Cohen, dans une situation pareille, elle ne pourra pas non plus consommer la trauma. Et on les fait un après l'autre. Il y a le premier cas de figure, d'accord, donc en fait, regardez, on va voir. Aoubar, vayavam, vayarusin, vacheresh, uben teshashanim, veyom echad. Poslin velo ma'achilin, le poslin velo ma'achilin, il est mis en facteur sur les 5 cas de figure. Et même sur celui d'après, comme on explique ensuite. Donc il est mis en facteur sur chacun. Ça veut dire que Aoubar, posel velo ma'achil. Ça veut dire quoi Aoubar? Aoubar, c'est le fœtus, lorsqu'elle est enceinte. Le Oubar, il peut être posel, ou il ne va pas permettre de manger. C'est-à-dire, si elle était Bat Cohen, son mari est mort, et elle s'est mariée avec un Israël. Son mari est mort, il ne l'a pas laissé dans l'enfant, mais il l'a laissé enceinte. Aoubar, il va être possel, puisqu'elle a un fœtus juif, Israël, qui n'est pas Cohen. Eh bien, c'est du pasouk aussi de marquer, comment c'est dit, Kin Urea, Veshavel Betavia Kin Urea, que quand elle se marie avec un Israël, si son mari décède ou qu'elle divorce, elle pourra revenir dans la maison de son père, Kin Urea, comme dans son état de jeune fille. Dans son état de jeune fille, c'est qu'elle n'était pas enceinte. Si maintenant elle est enceinte, elle ne pourra plus consommer. Et inversement, si c'était une bat Israël qui s'est mariée avec un Kohen, eh bien, et qu'il l'a laissée enceinte maintenant, il ne pourra pas manger, parce qu'il y a marqué « Yelid Beto, Yelid Ma'achil ». Celui qui est né, il permet à sa mère de manger. Celui qui n'est pas encore né, il ne peut pas vous permettre à sa mère de consommer. « Ve'ayavam » et aussi un « Yavam ». Soit on parle de deux situations de nouveau. Chaque fois, il faut expliquer deux situations. C'est quoi « Possel » et c'est quoi « Le Ma'achil ». Ça peut être un cas d'une bat Kohen qui s'est mariée avec un Israël. Tant qu'elle était mariée avec le Israël, elle ne pouvait pas manger la trauma. Son mari est mort, mais il n'a pas laissé d'enfant. Mais, puisqu'elle n'a pas eu d'enfant, et que son mari est mort, alors elle a mis à deux hiboum. Elle a maintenant un Yavam, Israël, qui attend de lui faire le hiboum. Pendant ce temps, ça prend 3 mois même, comme on le verra plus tard, on l'a déjà évoqué même, je crois, il faut 3 mois pour différencier. Pendant ces 3 mois, est-ce qu'elle va vivre chez son père, parce qu'elle n'a pas de mari pour le moment? Est-ce qu'elle pourra consommer la trauma? La réponse, elle est non. Pour quelle raison? Parce que le pasouk, elle insiste que quand son mari mourra ou qu'il la divorcera, Veshava el bet avia kin urea,
elle regagnera le cocon familial, elle reviendra dans la maison de son père. Or là, elle revient concrètement, parce qu'on ne va pas la laisser dehors, en train de dormir sous les ponts, mais elle n'est pas revenue dans la maison de son père, elle ne reprend pas le même statut que son père, elle est préposée à se remarier. Et malgré tout, maintenant, situation inverse, c'est une Bat Israël qui était mariée à un Kohen, le Kohen est mort, et maintenant, elle est Zkouka le Yiboum, elle attend de faire le Yiboum avec son beau-frère Kohen. Est-ce qu'elle pourra consommer la Trouma? Malgré tout, elle ne pourra pas consommer. Pourquoi elle ne peut pas consommer? Parce qu'elle manquait, comment c'est dit dans le Passouk, qu'il faut être Kone Ota, qu'est-ce que je veux, le mot m'échappe, c'est pas grave, ça va me revenir après, qu'il faut, Ve Kohen ki ikne nefesh kinyan kaspo. C'est le Passouk, que le Kohen, il doit acquérir la femme. Or là, la Yevama, elle n'a pas été l'acquisition de ce Yavam, elle a été, pour le moment, elle a été acquise par le frère défunt. Donc ce lien s'est rompu, même si il laisse encore une conséquence qu'elle doit continuer à se marier avec le beau-frère, mais c'est pas le Kinyan Kaspo du Kohen pour qu'il la marie. Ok. Veha Erusin, autre situation maintenant, les fiançailles. Là, on va distinguer deux cas de figure. Tout d'abord, si c'est une fille de Kohen qui s'est mariée avec un Israël qui a sœur, on rappelle, les fiançailles, c'est qu'on a donné la bague, on le dit arrête le coup de Châtelet, mais pour le moment, ils ne vivent pas comme un couple marié. Elle reste chez son père, et elle est mariée, si jamais elle a un écart, elle est chayav mita, parce que c'est une femme concrètement mariée, mais elle n'a pas le droit de vivre avec son mari, parce qu'elle n'a pas encore fait le Shabbat Brachot, il n'a pas encore écrit la Ktouba. Ils ont juste fait l'aspect, commercial du mariage, c'est-à-dire qu'il a acquis la femme. Dans une situation pareille, si c'était une Bat Kohen qui s'est mariée comme ça, qui a fait juste les fiançailles avec Israël, c'est fini, elle ne pourra plus manger la Trouma de la maison de son père, parce que maintenant, elle est devenue la propriété du Israël. Ça, c'est d'une part. Mais inversement, si c'était une Bat Israël qui s'est mariée avec un Kohen, qui s'est fiancée avec le Kohen ne pourra pas lui donner à manger. Alors là, ça devient délicat, parce que Minatora, réellement, elle a le droit de manger. C'est devenu le Kohen ki kinyan nefesh kinyan kaspo. C'est devenu maintenant la propriété de c'est devenu la propriété du Kohen, en théorie. Sauf qu'il y a un problème, c'est expliqué dans le grain de Ktubot, qu'on a peur que là, peut-être que quand il va se marier, il va découvrir que la femme elle avait un défaut, et qu'il va annuler le mariage, dans ce cas-là, qu'elle a un statut de Bat Israël. Ou encore, on a peur que si on veut lui donner à manger, elle va se mettre à manger chez elle à la maison, mais elle vit encore dans une famille où il y a plein de Israël autour d'elle, et elle risque de leur donner à manger de son assiette. Donc, pour ne pas arriver dans une situation pareille, Rami m'a dit, tant que tu es fiancé, tu ne manges pas la trauma. Alors là, ça devient plus délicat. Kheresh, c'est un sourd. En fait, on parle de Kiddushin Miderabanan. Parce qu'un Kheresh, quelqu'un qui est sourd, c'est quelqu'un qui ne s'est pas bien développé intellectuellement. Et là, il est considéré comme un... Il a le même statut que le fou dans la Torah. Il est dispensé de toutes les mitzvot. Malgré tout, on l'apprendra longuement vers la fin de Yevamot. Malgré tout, ce Kheresh, ce sourd, il a le rami moins instauré que malgré tout, il pourra se marier. Parce qu'ils savent garder une certaine vie de couple, tant bien que mal. À la différence du fou, le seul qui est fou qui a perdu la tête, ils ne peuvent pas se marier, même Midrabanan. Ils savent pas se surveiller, ils sont capables de se frapper, ils sont capables de faire plein de choses, ils sont capables de partir avec quelqu'un d'autre. Rami, on sait, ça marche pas avec le chien du fou. Par contre, avec le chien du sourd, Rami, on dit, c'est vrai qu'ils sont pas bien développés, mais ça va être deux petits tours de roue qui, quand ils vont être ensemble, ils vont se respecter. Donc on va leur instaurer qu'ils peuvent se marier. De ce fait, si la sourde, la femme, ça change, on parle du sourd qui marie une femme même normale, imaginez. S'il va la marier, elle n'est pas mariée Ménatoura. Donc si lui il était Kohen, il ne pourra pas lui faire, il pourra pas faire à manger. Donc l'homme achil. Et si elle était Kohen, Kohenet, en théorie elle aurait le droit de se marier, mais Rami m'a assuré qu'il a quand même marié Midrabanan. De ce fait, il ne peut plus lui donner à manger parce que c'est considéré comme Midrabanan, c'est considéré comme si c'était plus une Israël. C'est plus une Kohenet, c'est plus une Israël. D'accord? Et dernier cas de figure, qui est un peu plus délicat parce qu'il ne se présente pas sous les deux cas, c'est le cas où Ben Teshachanim et Yom Echad, on parle en fait qu'il y a eu une personne qui était impropre à se marier avec le Ham Israël, parce que ça peut être un mamzer, parce que ça peut être toutes sortes de situations. Ouais, ça peut même être un halal qui va se marier avec une Kohenet, mais quoi qui va avoir un rapport avec une Bat Israël ou avec une Kohenet. Et dans les deux cas de figure, on dit comme ça, s'il a 9 ans et un jour, on considère que le rapport qu'il va avoir, le rapport sexuel,
qui va avoir et considérer et valider comme un rapport sexuel, qui va invalider la femme. S'il n'a pas encore 9 ans, 9 ans et un jour, il a moins que ça, et qu'il est malgré tout, il a un rapport, ça n'a aucune valeur de, dans toute la Torah, c'est considéré qu'il n'a pas eu de rapport avec elle. C'est considéré qu'il va rentrer le doigt, même s'il a rentré le membre. Parce que c'est pas considéré comme un... Ça n'a pas un statut de bia. D'accord ? La bia, avoir un rapport, ça, il faut nécessairement avoir 9 ans et un jour au minimum. Pour acquérir une femme, il faut être bar mitzvah. Il faut être mûr, comme on va voir dans la suite, tout de suite. Mais, en tout cas, pour considérer un rapport pareil, imaginez un enfant qui a eu un rapport avec une proche parent de lui, il va invalider cette femme. S'il va avoir un rapport avec une femme mariée, la femme mariée, elle va devoir divorcer son mari. S'il a 9 ans et un jour. Mais s'il n'a pas encore 9 ans et un jour, ça n'a pas de statut de bia. D'accord? Et en fait, donc, c'est ce que ça veut dire que la femme me dit, Pousseline. Ça va invalider cette femme-là qu'elle ne pourra plus continuer à manger la trauma. Si elle était bâtisserelle, elle ne pourra plus se marier avec un Cohen pour manger de la trauma. Et vélo marcheline, ça n'a pas de sens. Ça ne s'explique pas selon il est pas en facteur, il n'est pas doublement en facteur en fait, avec ce morceau de phrase. D'accord? Et là, il y a une phrase un petit peu pas claire, je dis tout de suite la solution, c'est le bâton noir qui l'explique comme ça, c'est la Gemara qui l'explique. Il faut lire aussi, Vechen Safek chez Uben Tejashani, Yom Echad, Safek chez Eno. Idem encore, si on a un doute, est-ce qu'il a eu 9 ans et un jour, ou il n'a pas encore eu 9 ans et un jour, il a eu un rapport avec une femme, il a aussi invalidé à manger la trauma. C'est-à-dire, le cas précédent, c'était le cas où c'était sûr qu'il avait déjà fêté 9 ans et un jour. Là maintenant, on ne sait pas ce qu'il a fêté 9 ans et un jour, on a un doute sur quand il est né exactement. On en doute, une semaine d'intervalle, il est parti avec elle. Alors on ne sait pas ce qu'elle a déjà passé. Malgré tout, dans le doute, il va interdire la femme. On ne va pas s'appuyer sur la chazaka que c'était un petit et qu'il va rester avec elle. Il y a des raisons pourquoi. Là n'est pas notre propos. Ok. À part ça, maintenant, on passe à un tout autre sujet dans le sujet de la Mishnah. Safek, Evi, Shtel, Seharot, Safek, Lo, Evi. On parle maintenant qu'il y a une personne que, pour devenir adulte, ça ne suffit pas de faire la bar mitzvah d'avoir 13 ans. Il faut 13 ans et avoir développé des signes de maturité. Soit avoir eu au moins deux poils dans la partie génitale qui sont sortis. D'accord, ce qu'on appelle jeter sa route. Maintenant, on a une personne, on a un enfant, qu'on ne sait pas est-ce qu'il a atteint. Il a atteint, il a fait l'anniversaire des 13 ans, on a fêté la bar mitzvah, on a dansé avec l'hélicoptère de reconnaissance, mais on n'a pas. Mais on ne sait pas est-ce qu'il a eu les deux poils qui sont sortis ou pas. Le lendemain de son mariage, de sa bar mitzvah, il va déjà se marier, monsieur. Il va prendre une bague, il va dire à une femme, arrête le coup des châtelis. Or, on ne sait pas ce que c'est un adulte ou pas. Ouais. Et dans ce cas-là, on a un doute, est-ce qu'il a amené les deux poils qui vont faire qu'il va être un adulte ou pas. Donc là, on a un doute, est-ce que cette femme, elle est devenue mariée. Vous imaginez déjà tout ce que ça peut impliquer, que s'il va mourir, son frère, il ne pourra pas lui faire... Alors, est-ce qu'il pourra faire le hiboum khalitza? Imaginez que maintenant il a fait le coup, il s'est... Il y a toutes sortes de situations comme ça. Est-ce que, donc, c'est un safek, est-ce qu'il a quelqu'un qui a fait un doute, est-ce qu'il a fait des kiddushin? Ou encore, autre situation encore. Nafal abayt alav ve'al batachiv. Une autre situation, on va voir en fait plusieurs cas de safek, où la chav va nous fixer, dans ce cas-là, tarata choleset volumis. Imaginez par exemple, je reprends le cas, je vous l'explique directement comme il faut l'expliquer. Il y avait deux sœurs, Rachel et Léa. Rachel, elle était mariée à Réhouven. Shimon, il nous a fait le coup de la bar mitzvah. Le lendemain de la bar mitzvah, il a marié Léa, mais on ne sait pas ce qu'il était devenu adulte. Entre-temps, Réhouven décède. Et maintenant, le préposé à faire le hiboum, c'est Shimon. Maintenant, Shimon, on ne sait pas, est-ce que Rachel, il peut lui faire le hiboum parce que quand il a marié Léa, c'était n'importe quoi, parce qu'il était encore petit. Ou est-ce qu'il est devenu adulte, et dans ce cas-là, Rachel, dans ce cas-là, il est marié là, il ne pourra plus se marier avec Rachel. C'est devenu, dans ce cas-là, une sarater, va. Dans le doute, il devra faire la khalitza et pas le hiboum, d'accord? C'est-à-dire, là, de nouveau, on va voir un cas de... Je lis d'abord la Mishnah, ça fait que vie, c'était ça aussi avec le vie. Nafala beitala ve'al batachiv, ben yadou ezemet rishon, sarater. Et dans tous ces cas de figure, il y a deux cas, en fait. Et il y a deux cas de figure où il y a tsarata choleset volumit yabemet, il faudra faire la khalitza et pas le hiboum. D'accord? On a vu le premier cas de figure de Safek. Deuxième cas de figure de Safek, c'est Nafal Abeit Alav Ve'al Batachiv. Il y avait quelqu'un qui était dans une maison et qui était avec Bat Achiv, la fille de son frère. Soit, en fait, il y avait deux frères, Réhouven et Shimon. Réhouven, il s'était marié avec Rachel et il a une fille qui s'appelait Dina.
Shimon s'est marié avec Dina. Vous vous rappelez des règles qu'on a appris? Que selon, si toutefois maintenant, donc il est marié à Dina, si Reuven meurt tout de suite, il ne pourra pas faire la Khalitsa à Rachel parce qu'il est marié à sa fille. Mais si sa fille meurt avant lui et qu'après son frère décède, il pourra faire la Khalitsa. Parce que maintenant, c'est. Non, il y a un problème technique. C'est une sarater. J'ai pris un mauvais cas. J'ai un petit problème de seconde. Ça n'a pas le bétala valbatachiv chez Ishto. Ça fait quoi, maître Rishon? Ça fait que. Beneflou, je t'aime les hiboux. Ah, excusez-moi. Il faut prendre un cas plus simple. Ça fait quoi, maître Rishon? D'abord, je vous explique le principe, après je revois dans les mots, d'accord? Vous avez compris l'idée? Quoi qu'il arrive, on se retrouve dans une situation où on ne sait pas qui est mort avant. Est-ce que c'est son frère qui est mort avant, ou c'est sa fille, sa femme qui est morte avant? Et donc dans le doute, on va avoir un doute. Le cas, il m'échappe un petit peu, alors je fais le partenaire avec vous. Ça fait qu'au maître, donc il n'a pas la bête à lave, mais elle arrive. Il avait la maison qui s'effondrait sur lui et sur la fille de son frère qui est Shehi Ishto. En fait, il était, c'est très simple. Il était marié avec la fille de son frère. Tout simplement. Sans compliquer, il n'y a pas de sœur et tout ça. Il était marié avec la fille de son frère. Maintenant, si... Donc c'est tout, c'est très simple, j'ai pas besoin de la suite. Je me suis retrouvé. Il y avait, excusez-moi, ça m'arrive des fois, je suis fatigué, n'est-ce pas? Il y avait Reuven et Shimon, donc on a deux frères. Shimon qui est marié à la fille de Reuven, pour le moment. Et Reuven, à part ça, il a une autre femme. Bon. Ensuite... Alors, si la fille de Shimon, elle décède, la fille de Shimon, Reuven, il y a une autre femme qui n'a aucun rapport avec la fille de Reuven, d'accord? Donc, il y a Dina et il y a une autre étrangère, on va l'appeler comment? Yocheved. Yocheved et Dina. Yocheved, c'est la femme de Reuven, et Dina, c'est la fille de Reuven d'une autre femme, que son frère Shimon, il est marié avec elle. Si toutefois, maintenant, Shimon décède, Reuven va décéder, et qu'il va y avoir maintenant la femme de Reuven qui va tomber en hiboum devant Shimon, Shimon ne pourra pas la prendre à cause de sa fille, parce qu'il est déjà marié avec elle. Mais si toutefois sa fille les aide, alors il pourra se marier. Et donc dans ce cas-là, on a la situation où on a le cas de figure, où justement on a le... et maintenant, la maison elle s'est effondrée sur lui et sur sa femme qui était sa nièce. La maison s'est effondrée, on ne sait pas qui est décédé avant l'autre. Et la question, elle va être, est-ce qu'il pourra faire le hiboum, en fait? D'accord? Est-ce qu'en fait, j'ai inversé le cas? Désolé. On a compris le principe. J'ai juste inversé le... Pendant que j'ai parlé, j'ai pas raison. D'accord? On a compris le principe. En tout cas, la maison, elle s'est effondrée sur lui et sur sa fille. Et si toutefois, sa fille, elle est morte avant, donc on pourra faire le hiboum à sa sœur, c'est le cas inverse. C'est-à-dire, il y avait Reuven et Shimon, je reprends, excusez-moi. Reuven et Shimon, ils étaient mariés. Ils avaient sa vie. Shimon, il était marié avec la fille de Reuven. Ensuite, ce qui se passe, c'est que Shimon, il a une deuxième femme. Shimon, il a une deuxième femme. Et si Shimon va décéder, alors Reuven ne pourra pas faire le hiboum à la deuxième femme, parce que c'est la co-épouse de Reuven. Mais si toutefois, il y a la fille qui va décéder avant, alors quand Shimon va décéder, il pourra faire le hiboum à la femme de Shimon. Et d'où la question, on ne sait pas qui c'est qui est mort avant, parce que la maison s'est effondrée, on ne sait pas qui c'est qui a succombé avant l'autre. Et dans le doute, il faudra faire Khalitsa et pas le hiboum. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.